Ouais. Donc on m'a posé des questions sur Facebook et YouTube. Je vais répondre aux questions sur cette vidéo là. Donc c'est juste pour vous dire que bon, on m'a dit que pourquoi je chante des musiques, c'est pour que je suis petit, de grandir, d'arrêter de faire des conneries, de vendre de la drogue, du shit, de se faire prostituer pour rien, pour faire des pétasses, pour être un pute quoi, pour pas acheter à manger à leur faim. Voilà quoi, donc cette petite vidéo là, je l'ai fait pour que, parce qu'on va passer plusieurs vidéos sur Facebook et tout, moi je vais répondre à cette vidéo là. Donc c'est pour que moi, par rapport que j'entends la musique, c'est pour que les jeunes d'aujourd'hui me disent 1 d'arrêter de vendre la drogue, 2 de vendre du shit, être dealer, 3 être prostitué ça sert à rien, 4 la vie c'est que Il y a un collège, il y a l'école primaire et la maternelle, il y a tout ça. Donc on nous a mis à l'école pour apprendre à l'école. C'est pas pour boire l'alcool. C'est pour que tu apprends à écrire bizarrement des trucs, à savoir écrire, à savoir lire. Donc l'école c'est pas pour faire juste pour te faire chier que tu vas aller dans tes cours matin, midi, soir. C'est pour faire pour que tu apprennes des choses quoi. Donc l'école c'est pour faire pour ça. Donc il y a mission locale, il y a Pôle emploi, il y a des formations à droite à gauche, école, tout ça. Donc de se lever le matin pour se dire bon là je vais chercher une formation, là je vais aller taffer, là je vais travailler quoi. C'est ça qu'on doit se dire dans la tête. On va pas se lever le matin, 5h du matin pour être dealer quoi, aller vendre du shit en bas du balcon, ou chez toi en bas du hall, ou je sais pas quoi, moi je peux pas vous dire quoi, parce qu'il y en a qui se réveillent 5h du matin, ils descendent en bas pour aller vendre du shit. Tu vois, ça se fait pas ça. Ta mère et ton père t'as pas appris ça. L'éducation de ton père et ta mère qui t'ont appris, c'est de aujourd'hui que tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu vas taffer le travail. C'est ça que ta mère t'a appris. Maintenant ta mère elle est là, elle pleure quand tu vas regarder à vue. C'est elle qui a les douleurs, c'est pas tes potes qui sont là pour pleurer, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui je suis venu juste pour vous dire pourquoi je chante. Moi je chante pour vous dire la vérité, qu'est-ce que je vois à ta gauche, parce que c'est dans la main qu'on est foutu là, tu vois. Donc voilà que c'est venu aujourd'hui pour cette interview. Pour dire aux gens qui m'écoutent, les fans qui m'écoutent, je vous remercie, grâce à vous je vais aller loin. Les gens qui me critiquent, je vous remercie, je vais aller aussi loin. Les gens qui m'insultent, après qui va se plaindre à ta gauche que ouais voilà que imagine que ta mère. Moi je ne trouve jamais chuté quelqu'un. Moi il y a des gens qui viennent sur mon Facebook là, ils viennent m'insulter, m'envoyer chier. Après ils disent du cas de reçu relax. Moi je suis pas comme ça. Moi je suis un homme. Si j'ai un truc à dire, moi je te dis face à face. C'est pas sur un écran que je vais te dire quelque chose. Parce que moi je suis un homme. Donc il y a qui viennent me casser les couilles, qui viennent me saouler, qui viennent m'insulter. C'est pas la peine de m'insulter après d'aller se plaindre à droite à gauche, tu vois. Si t'as un truc à me dire, voilà, viens me le dire en face, on va régler ça. Viens pas me chercher. Après tu vas dire à droite à gauche. Parce que là que ce n'est pas comme ça, comme j'ai dit dans mes vidéos, moi je suis pas comme ça, moi j'ai un cœur, moi je te comprends, je me comprends. Donc les personnes qui me cassent les couilles, maintenant ils vont voir. Parce que là vous croyez que j'ai rigolé avec vous à droite à gauche, maintenant c'est bon quoi. Donc les gens vous prennent comme des cons parce que voilà, il y a un truc sur Facebook. Il y en a qui disent que je les ai insultés, ils se plaignent. Moi j'ai cette personne sur Facebook, moi si j'ai un truc à le dire, moi je mets sur mon statut, je le dis face à face, cash, tout le monde le sait. Donc moi je suis comme ça, je suis règle. Donc si j'ai un truc à le dire, moi je le mets face sur mon statut. Quand un tel me fait chier, je vais le casser le cou, tu vois. Il va venir sur tes messages pour t'insulter, tu vois. Il y en a aussi qui m'envoient chier là, je sais pas qui. Moi c'est Wallax, tout le monde me connaît. Donc cherchez bien Wallax avant de le chercher, parce que vous me cherchez sur Facebook à droite à gauche, des hommes de ragots. Mais quand on va se voir face à face, casse ta gueule, parce que moi je parle de personne. Tu vois trop petit comme ça parce que j'ai un mal d'estomac, j'ai mal d'estomac, c'est parce que je suis comme ça, j'ai la maladie de l'estomac. Donc tôt ou tard je vais mourir, mais avant de mourir moi je vais dire la vérité, je vais dire qu'est-ce que j'avais à dire quoi. Donc bon bref, je veux juste vous dire, ton père s'il te voulait pas soit dans ce monde, il n'aurait pas baisé ta mère pour venir dans ce monde. Excusez-moi pour être vulgaire pour ce terme. Parce que maman t'a porté 9 mois dans son ventre. 9 mois dans son ventre. Tu vois, s'il voulait pas que tu sois dans ce monde, je t'aurais tué. Avorté. Aujourd'hui, les 9 mois sont passés. Maman t'a gardé. Aujourd'hui, t'es sorti dans son ventre. Tu vois, je fais des conneries. Tu vois, les conneries que tu fais à ta gauche, que tu insultes, t'envoies chier. C'est moi qui va mal au cœur. C'est nous qui va avoir mal au cœur. Moi, je m'en bats les couilles. Mais c'est ta mère qui pleure après. Tu
vois. Donc moi je suis juste là pour vous dire que grandissez. Voilà, sport, moi je suis là pour vous dire que moi j'ai que la vérité. Petit, assieds-toi un jour. Assieds-toi, écoute-toi l'axe. Écoute bien, bien mes paroles et comprends-les bien. Tu vas dire que j'ai raison. Parce que moi je chante pas pour rien dire. Moi je chante pour vous pour dire qu'est-ce que je vois sur Facebook, qu'est-ce que je vois sur le net. Qu'est-ce que François Hollande n'a pas dit sur ses... quand on a voté. François Hollande, on l'a voté, il a fait quoi? Il a fait juste un truc mariage pour tous. Tu vois, à droite à gauche, il y a des clochards qui dorment dans la route. Tu vois, des prostituées, des drogués, des gens quoi, des trucs bizarres quoi dans ce monde, tu vois, dans la France et d'autres partout. Parce que le président, les gens qui ont voté, ils sont là et ils disent, je peux changer ça. Il n'y a rien qui change, voilà. Donc, il faut qu'on soit fort, fier, d'arrêter de faire des conneries, de grandir, voilà. Parce que là, on n'est pas... On croyait on est des... Quoi dans la tête, voilà. On est venu dans ce monde, voilà, pour faire des choses. Le courant, le soir, là,